Je suis Azra Bidraogo, la directrice pour Lutheran World Relief, basée à Bamako au Mali. Je suis là aujourd'hui pour visiter les activités de notre partenaire, qui est l'Union des sociétés coopératives des éleveurs de Tamani, que nous avons accompagné depuis 2012. Notre approche d'accompagnement a consisté d'abord à assurer la structuration de l'Union, qui au départ était une seule coopérative, pour aboutir à la création d'une union de 42 coopératives avec plus de 2000 membres. Nous avons assuré la formation des leaders de cette organisation et la reconnaissance officielle de l'Union. À côté de cela, nous avons aussi aidé l'Union à avoir un lieu de regroupement de ses membres. Donc, l'Union, qui au départ était dans un petit bureau en location, a reçu un siège qui a été construit avec l'appui de LWR. À travers ces activités de structuration du capital social, nous avons aussi travaillé sur les activités des membres de l'Union et qui sont axées sur le développement de l'élevage en créant le modèle d'entrepreneuriat rural qui a été axé sur l'appui aux membres de l'Union pour avoir des crédits. Et un autre aspect de l'entrepreneuriat rural que nous avons fait, c'est de mettre en place des services de santé de proximité à travers la formation des paravétérinaires qui ont pour rôle de venir visiter l'animal et de porter les premiers soins de secours. Un autre aspect de notre approche d'accompagnement, c'est d'assurer l'autonomisation des femmes à travers la mise en place des caisses de solidarité. Elles se font des crédits et ça leur permet quand même de mener quelques petites activités économiques génératrices de revenus. Et nous avons renforcé l'Union avec beaucoup de voyages d'études, avec beaucoup de formations en leadership, ce qui a permis à l'Union d'avoir une certaine crédibilité et de développer des partenariats avec d'autres structures, comme par exemple le cas du USADF. Ils ont pu avoir aussi un parc de bétail et un camion. Le modèle d'accompagnement que nous avons mis en place au niveau de l'Union a été d'un grand apport, non seulement pour le leadership de l'Union, et l'Union est dans une bonne logique de développement d'autres partenariats et de durabilité des activités et de rendre des services plus efficaces à ses membres.